Date du 30, de vendredi 30 mai 2014, il est pratiquement 13h, nous venons juste pour les nous revenons de Zaroko pour les préparatifs de la veillée. Vous voyez, comme cette voie est impraticable, je suis dans une voiture, bien sûr une voiture de location, parce que ma voiture, vos yeux, vous les avez bien, mais regardez un peu cette voie, voilà, vous voyez cette voie, il a plu ici, regardez un peu cette voie, voilà. Voilà, voici le prix que nous payons pour la cause des âmes. Voici le prix que nous payons pour aller sauver des âmes. Nous laissons des grandes villes, des villes où les rues sont bitumées, et nous allons dans des villages, parce que pour nous, il faut aller dans les contrées, dans les villages, pour évangéliser. J'en profite pour dire merci à Audrey, Kwaku Audrey depuis Londres, à Kwasi Lenoir, le général, le gradé de la brigade anti-sorcier depuis Washington. Voici les Noirs, tu es le général de la brigade. Voilà, depuis Washington, merci pasteur, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci aussi à Bardo, ma fille, merci à Elisabeth Dobé, merci à Louise, Elisabeth Dobé, qui est notre maman, Louise, notre maman, Jeannette, notre maman, et Adèle, depuis Lyon, notre maman, et à tous ceux qui aiment le ministère, ceux du Brésil, et merci à Jean, Jean-Mathieu, Jean-Mathieu Tartas de TV Réunion. Voilà, donc voici un peu la voie. Vous voyez comme elle est impraticable. Elle est vraiment impraticable. Elle est impraticable. Voilà, voici les difficultés. Chaque jour que nous traversons, pour aller sauver des âmes. Sauver des âmes. Regardez un peu. Voilà. Regardez la voie. Je précise bien que nous sommes à la date, aujourd'hui vendredi.